bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc on commence les engrais. Donc on a commencé hier. Et puis aujourd'hui, le temps est plutôt clément. L'humidité est faible. Il n'y a pas trop de vent. Parce que ils annoncent de la pluie demain. Donc on se dépêche de faire les engrais. Parce que sinon, on va plus pouvoir passer dans les champs. Je vous rappelle qu'on a des sols qui sont plutôt hydromorphes, donc qui retiennent l'eau à la surface. Donc après, pour s'embourber avec les tracteurs, c'est le top. Donc là, on est en train d'apporter de l'azote. Donc la composition de cet engrais, 13 d'azote, 10 10 de phosphore et puis 20 de potasse. C'est un engrais 13-10-20 avec 7,5 d'anhydride sulfurique, donc de soufre. Et donc là, je vais prendre ces deux big bags, je vais les emmener avec le 6160 derrière sur l'F-palette. Papa vient de partir donc à la parcelle, une parcelle d'un peu plus de 5 hectares, et puis donc deux big bags qu'on a mis dans l'épandeur, ça va pas suffire. Donc on épand à 275 kg par hectare. Donc on monte dans le tracteur. Bien, donc me voilà parti. J'ai mis les deux big bags sur le left palette à l'arrière. Alors je roule tout doucement parce que c'est pas trop fait pour à la base. En plus, j'ai pas envie que les sacs s'éventrent et coulent sur le chemin. Donc moi je passe par les chemins, papa est passé par la route parce que en fait on a c'est un morceau qui est un peu une parcelle, je veux dire, qui est un peu en trois fois, donc on a un petit triangle en bas qui est proche de la route, et au-dessus on a donc un morceau qui est un petit peu en pointe aussi, et puis ensuite on a un rectangle qui s'additionne. Donc c'est une parcelle un peu chiante, on va dire, parce que du coup on fait un nombre de chintes à chaque fois. Ça prend énormément de temps, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Nous sur l'exploitation, on a en partie, enfin on a vraiment des très petites parcelles. Voilà, la parcelle la plus grande fait 6 hectares 5, je crois. La majorité des parcelles font entre 1 et 2, 3 hectares. Donc ça fait vraiment des toutes petites parcelles. Bon, donc on se retrouve à la parcelle. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. I just wanna be greatness. Find me, and if you're going to hate this, you can fucking bite me.
okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only 1%. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Fat energy is like a poison, needs a antiseptic. Bien, donc voilà, le premier apport d'engrais est fini. L'épandeur est derrière moi. Donc nous, on avait le droit d'épandre de l'engrais à partir du 15 février. Donc depuis, on a eu que 2 jours de beau temps. Donc on en a profité pour faire les engrais. Donc en 2 jours, on a réussi à tout faire. Enfin, on n'a pas une grande surface non plus, mais voilà, fallait trouver le temps, fallait être assez nombreux pour pouvoir emmener les big bags, etc. Donc le semoir, je l'ai lavé depuis parce que l'engrais c'est très corrosif, donc vous voyez déjà il y a quelques points de rouille même s'il avait été refait. Donc voilà. Alors cette vidéo a été assez courte, j'espère que ça vous plaira quand même. J'ai pas parlé pendant les épandages, etc. J'ai pas trop expliqué parce que il n'y avait pas forcément nécessité. C'est assez simple comme opération. Donc voilà, si vous aimez ce type de format, des vidéos assez courtes, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je réponds à tout. Et pour les demandes en privé, pour les messages privés, les discussions privées, je vous mets mon Facebook, comme ça vous pouvez discuter avec moi par Messenger. Je serai disponible. Donc moi je vous dis à dimanche prochain, 16h30. Pour une nouvelle vidéo. Salut !